Le musée Paul Valéry de Sète propose 4 peintres pour cette nouvelle édition de 4 à 4. On retrouve la lumière au cœur du travail des artistes, mais aussi la symbolique de l'humain relié au réseau communautaire. Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is finna get fame. If you make sure, no, it'll never be. Parce que voilà, j'ai commencé au Maroc au début à travailler sur l'empreinte par rapport à des rochers, de la terre. Dans mon atelier, il y avait toujours des éléments comme ça. Et je dessinais beaucoup, j'avais le contact avec le sol normalement. Et j'avais, au bout d'un moment, il y a eu le printemps arabe et je vivais encore au Maroc. Et à partir de ce moment-là, j'ai été interpellée par la mémoire, la question du territoire, la question de l'empreinte du sol. Sur des lieux qui sont chargés d'histoire. Et là, j'ai eu la possibilité de voyager. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans des lieux qui sont un peu témoins de quelque chose qui porte une mémoire par rapport à la Première, Deuxième Guerre mondiale, par rapport à un lieu là où il y a eu quelque chose parle par rapport à notre vécu, du territoire aussi, des camps de Rivesaltes par exemple, d'autres. Et je me suis retrouvée comme si je renouvelle cette mémoire par rapport à l'empreinte que je mets sur ma toile. Qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné l'élan.
mots, par thème, par sujet, toute ma vie, la mer, les autoportraits, etc. À un moment donné, j'ai eu envie de... Et c'est pas moi, sous la suggestion, c'est ça, de... Bon, de, ça, c'est peut-être pas la peine de dire, mais enfin, moi, je continue quand même. J'ai eu envie de... aller... de changer, donc, ma façon de peindre. Il y a eu une coupure nette à un moment donné de ma vie, il y a 2 ans, 3 ans à peu près, où je change complètement, c'est-à-dire je ne peins plus en pensant, en faisant des croquis, en disant je vais faire des paysages, je vais faire des portraits, je vais faire des footballeurs, des naissances, etc. C'est dit, mais au fond, au lieu de faire ça, moi je vais préparer en tant que peintre, je vais préparer tous mes ustensiles, pour peindre la toile, les couleurs, je prépare tout ce qu'il faut pour peindre. Oui, je suis...